buts. Il en a marqué des divins, des beaux, des moins beaux, mais c'est toujours des buts. Hein. Moi, je serais beaucoup plus concentré sur le terrain. S'il fait une action, je me souviens très bien. Justement, je reprends ce match contre le Portugal en deuxième mi-temps, où il récupère un ballon, on doit être à peu près... On est 20 mètres dans notre camp. Donc il nous récupère ce ballon, alors que bon, normalement, vu sa position, il ne doit pas être à ce moment précis du match, il ne doit pas être là. Puisqu'on pousse, justement pour essayer d'égaliser contre ces Portugais. Bon, il fait quelques gris-gris, mais ce n'est pas le gris-gris qui font que cette action m'impressionne. C'est dans la mesure où il se retrouve dans une position défensive, à ce moment du match, où il prend le ballon, il élimine avec la facilité qu'on lui connaît certains adversaires, mais tout droit, quoi, vers le but. Quoi. On sent qu'il est enragé pour aller vers le but. Et c'est une action qui dure longtemps, hein, parce que 2 ou 3 secondes dans le football, c'est long hein, pour une action. Et je me rappelle l'action avorte pour rien du tout. Quoi. Je veux dire, il fait le dernier geste parfait au moment où il faut. Et le Portugais juste le touche du talon et ça empêche certainement la concrétisation d'un but. Quoi. Cette action particulièrement, est, à ce moment précis du match, dans un match difficile, dur, âpre, où on est mené au score, bon, où c'est pas facile, on n'est pas dans les meilleures conditions, pouvoir réaliser une action comme celle-ci, aussi loin de son but, et aller de l'avant, là aussi je crois qu'on mesure toute la progression que Zizou a pu faire durant ces 5-6 dernières années. Parce que c'est justement, c'est Zizou, c'est dans cette action-là, c'est le beau, parce que bon, il est toujours beau avec le ballon, et l'efficacité. Zizou, juste un petit clin d'œil. J'ai dit, et je le pense, que bon, actuellement, tu étais devenu plus qu'un joueur de football. Dans mon sens que bon, tu représentes plus qu'un joueur de football et je crois que tu es sollicité beaucoup plus qu'un joueur de football. Donc sache, si j'ai même, c'est même pas un conseil, c'est une réalité des choses, sache que bon, l'essentiel pour toi, et tu l'as très bien compris, c'est le terrain. C'est là où tu es le meilleur, c'est là où tu t'exprimes le mieux et c'est là où tu peux donner du plaisir et tu peux te faire plaisir. Donc, sache que la priorité, et ça sera aussi un truc qui sera important pour la suite de ta carrière, c'est toujours le terrain. Donne toujours la priorité au terrain. Le reste est important, mais le plus important est le carré vert. Voilà. Salut, ciao.